Alors depuis 2021, Haute-Savoie Habitat accueille trois tigistes et ce sont des personnes qu'on accueille qui doivent effectuer chez nous des heures de travail d'intérêt général. Et ces personnes, en étant chez nous, évitent la surpopulation carcérale et ça leur permet de cultiver le goût du travail et c'est plutôt bénéfique. Alors le tigiste est systématiquement accompagné de son tuteur. Il œuvre dans l'entretien, la réparation des parties communes et des parties privatives, y compris dans les logements vacants. Et aussi dans ses missions, il doit analyser avec l'équipe les bons d'intervention à faire dans la semaine ou dans la journée et préparer tout l'équipement nécessaire, le matériel à charger dans le camion en vue de partir dans ses missions. Si on conjugue le sérieux apporté par chacun, la motivation et l'enthousiasme de la part des uns et des autres, on peut vraiment assurément dire que le bilan est plutôt bon. C'est pas pareil qu'un chantier normal en fait, mais on développe beaucoup de choses. On apprend énormément de choses par rapport à ce qu'on apprend en bâtiment en fait. Puis les gens sont plus sympas. Vu qu'on fait plusieurs métiers en une seule fois, et c'est pas tout donné à tout le monde en fait, et ça m'enrichit énormément. Moi, comme là, j'ai commencé lundi, ouais, j'ai appris pas mal de choses. L'expérience se passe très bien. Il y a une période d'adaptation à avoir. Il faut comprendre les personnes et elles s'adaptent à nous et nous à eux. Et elles s'adaptent aussi à l'entreprise. On présente la personne comme un stagiaire parce qu'on doit le protéger quand même. Si la personne roule, va dans le sens de l'entreprise, tout se passe bien. Je pense qu'il faut donner une chance à tout le monde, même si certaines personnes, ça peut arriver à tout le monde de faire des boulettes. On est là pour pas que la personne retombe dans un cercle vicieux et surtout pour les tirer vers le haut. J'ai bien été volontaire dans le cadre de Stige. C'est quelqu'un qui est motivé, il est volontaire, il a envie de faire. Ça se passe relativement bien. Qu'on le veuille ou non, la majorité vont sortir des quartiers sociaux dans lesquels on travaille. Donc ça ouvre la porte à nos locataires, entre guillemets, un petit peu. Et puis si on peut faire une bonne action, sortir quelqu'un de son mauvais pas, c'est pas plus mal aussi.